Yo, salut les Jones. Donc, on se retrouve sur le jeu Warzone. Alors, section Belgique. My name is Thanks for coming. Donc, les objectifs ici, journaliers. Si vous n'arrivez pas à terminer les trois objectifs sur la même journée, c'est pas grave. Vous passez un jour et ici pour la super récompense, c'est le lendemain. Si vous arrivez à clôturer les trois objectifs, ça se met en deuxième position, quoi. Par exemple, si vous avez fait lundi, ok. Mardi non et mercredi ok, et le mercredi ok il sera en deuxième position, quoi. Donc vous reculez d'un jour votre super récompense. Ok, donc voilà quoi, ici c'est la deuxième vidéo, la première où je parle pas. Donc on est en ligue, on est division 3. Il vient juste d'arriver division 3. Donc voilà, ici ça va être dur, hein. Pour arriver en division 2 ça va être chaud bouillant. Mais en tout cas on restera division 3, c'est déjà ça. Donc ici voilà, il y a le nombre de wins par personne. On est 3 dans le clan à être argent 3, donc ce qui compte double pour les trucs, donc ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En local, je suis premier Belgium. Je suis premier de Belgique, ok. Alors les troupes, on va en parler après. Et sinon au niveau de la section, on vient d'accueillir des nouveaux membres, donc on vient de passer premier devant Antwerp Elite. Au niveau des médailles, hein, on a 25 000 et eux ils en ont 22 000. Et en plus on a un membre de moins encore. C'est pas mal les gars, c'est nice. Donc sinon, au niveau des troupes, ici comme vous pouvez voir, je suis niveau 32, presque 33, ok. Donc moi ce que j'ai pu remarquer au niveau du, c'est que ça sert à rien d'avoir les dernières nouvelles troupes, ouais, ça c'est une chose. Surtout qu'elles sont méga chères, quoi, hein. 2999 gold pour le mini gunner, 2499, 1999. Bon voilà, celui-là il est quand même intéressant. Il est intéressant. Ceci, il faut passer level 5 pour débloquer l'aptitude. Celui-là aussi. Donc ce que j'ai remarqué moi, c'est que il fallait effectivement trouver son stuff. Le truc, les troupes qu'on aime bien, quoi, hein. Après il faut les maxer, quoi, ça c'est sûr et certain. Moi j'aime bien les troupes qui ont des capacités, comme par exemple l'ingénieur. Lui il va construire des tourelles sur le champ de bataille. Okay, l'aptitude c'est la construction plus vite, plus rapide, mais voilà, ça quand taille et que ils y arrivent, hein, ils mettent 4 tourelles sur le champ de bataille, franchement ça peut faire chier l'adversaire, quoi. Donc ça franchement je garde et je max ça. Le buggy blindé, déjà en temps normal il fait du dégât, et en plus avec l'aptitude tu as une mitrailleuse de plus, hein, la mitrailleuse qui est sur le toit. Donc ça fait plaisir, quoi. En plus bon, l'adversaire s'il te tue les deux personnages qui sont dans la bagnole, le buggy reste et les personnages reviennent. Le buggy reste actif entre guillemets, quoi, hein. Donc franchement ça fait plaisir, quoi. Donc ça aussi je max. Bon, celui-là aussi il fait pas énormément de dégâts, mais il est vraiment chiant à tuer, quoi, ouais, avec son bouclier, quoi. Faut y aller au snipe. Donc ça je garde, c'est sûr et certain. Et je vais maxer aussi, hein, 40 sur 50. J'ai déjà la célérité 5 sur 5.
la rapidité quoi, hein. Il est plus rapide vers l'adversaire, donc c'est encore plus casse-couille quoi. Ça, ce truc là c'est exagéré, Lorca il faut le max à fond, à fond, à fond quoi. Parce que il y a des troupes de renfort quoi. Donc ici au départ je crois qu'il n'y a que trois personnages, donc un qui est avec la mitrailleuse et deux autres de l'autre côté qui descendent, hein. Et en plus ils ont de la vie quand même, franchement il faut deux tirs de snipe plus encore encore un petit peu quoi pour les tuer, les deux infanteries niveau moins 1, ouais je sais pas pourquoi. Et donc ici j'ai déjà quatre personnages, plus je le max, je vais encore avoir un cinquième personnage ici, et plus il est max, plus il va devenir blanc quoi. Donc voilà, et difficile aussi à buter, et en plus il y a les renforts qui vont se rajouter, c'est une troupe de Dago quoi, c'est vraiment pas mal. Celui-là aussi, il est en jetpack, franchement voilà, l'aptitude double grenade. Donc déjà une grenade, il fait du mal, donc la double grenade, franchement, il y a moyen quoi, il y a vraiment moyen, donc ça aussi je garde et je max. Bon, le prédateur... voilà quoi, c'est pas... je l'ai acheté parce que je me disais ouais ça claque à mort et ça, mais non franchement je suis quand même déçu, je suis quand même déçu. Et voilà, au niveau où je suis, 32, level 32, je peux remarquer, ça sert à rien. Déjà on peut avoir que 3 unités mécaniques, les gars, 3 unités mécaniques maxi, hein, sur le champ de bataille. Ce qui est plus chiant franchement, alors ok, c'est d'avoir deux unités mécaniques en même temps sur le champ de bataille, donc là l'adversaire il sait plus quoi faire, il sait plus vers qui tirer. Hors de ça, si tu lances des ingénieurs et des fonceurs, il est vite débordé, donc là c'est win direct. Par contre, ce qui est lui par exemple, quand tu l'envoies, évidemment il faut 4 coups d'énergie et c'est une unité évidemment par une, hein, ok. Par contre, ici, celui-là, c'est 1 et tu les déploies par 1, 2 ou 3. Donc, voilà, ça peut faire chier aussi, quoi. Si tu as 20 troupes sur le champ de bataille, l'adversaire, il est complètement dépassé, quoi. Ça, vous pouvez le remarquer dans les missions solo. Moi, j'en suis à la mission 41. J'ai plein de troupes qui arrivent en même temps sur le champ de bataille et franchement, je suis débordé, quoi. Je suis vraiment débordé et je me fais buter direct, quoi. Donc voilà, quoi. J'en ai déjà vu. J'ai déjà combattu contre les titans. Les titans, ouais, ça va, quoi. Mais c'est pas non plus déconné. Minigunner et Lance Flamme aussi. Je suis confronté souvent à eux. Ça, le MV Blade et le Commando aussi. Commando, ça, je vais l'acheter. Je suis en train de. Le Humvee, franchement, je vais pas l'acheter. Le Lance Flamme, je pense pas non plus. Parce que lui, c'est un fonceur, mais il va jusque toi. Et puis seulement là, il commence à cracher sa flamme. Alors effectivement, il fait énormément de dégâts quand il a craché sa flamme. Mais le temps qu'il arrive vers toi, bon, t'as la carte pour les trucs là, les trucs électriques. Donc il est niqué, et en plus de ça, le temps qu'il arrive, tu lui mets deux snipes dans la tronche et il est mort, donc ça sert pas à grand chose je trouve moi. Et le minigunner, lui il tire pas constamment quoi, alors effectivement quand il tire, il fait des rafales de, je sais pas moi, 15-20 balles. Alors soit il tire dans le jaune, hein, donc vers le vers toi quoi, hein, vers moi, oui d'accord. Ou alors dans le bleu, hein, ses tirs sont bleus et donc ça veut dire qu'il tire dans le bouclier. Donc il te nique le bouclier derrière lequel tu es. Et donc par exemple l'adversaire qui est en face n'a plus qu'à te mettre un ou deux coups de snipe et il te nique la moitié de ta santé. Donc oui, mais voilà quoi, parce que lui aussi le temps que... il tire pas très longtemps quoi, donc là aussi tu lui mets 3 coups de snipe dans la tronche et c'est terminé. Donc voilà quoi pour les troupes, ça je garde, ça aussi, et les snipers aussi, franchement ça peut faire mal quoi. Alors il y a l'hélico, franchement ouais, qui peut être pas mal aussi, c'est vrai, maxé quand même, hein.
En plus, lui, il donne des largages de trousse de soins, donc ça peut être intéressant. J'ai pas encore débloqué, évidemment, l'aptitude, mais ça peut être pas mal. En plus, il bouge. Il bouge, donc c'est chiant pour l'adversaire, quoi. Toutes les troupes qui bougent, qui restent pas statiques, c'est chiant pour les adversaires. Donc ça, c'est pour les troupes. Au niveau des armes. Au niveau des armes, moi en principal, je suis à Captain, qui était à 1 600 000 billets, hein, donc voilà. Celle-ci, elle fait 2 499, donc c'est un peu chéro, quoi. Hein. Et en fait, le truc, les gars, c'est qu'il faut regarder au niveau du dégât du projectile, hein, la toute première statistique. Moi, quand j'ai commencé le jeu, c'est-à-dire il y a 3 mois, hein, je sais pas moi, plus ou moins mi-novembre, c'était en bêta. Moi, au point qui donne 3 400, 3 200, 3 000, à ces points-là. Mais en fait, ça veut rien dire. Enfin, moi, il me semble, c'est ce que j'en ai conclu. Ce qui fait plus les dégâts, quoi. Les dégâts, ça fait mal à mort, quoi, hein, évidemment. Donc, il faut acheter les armes par rapport aux dégâts. Alors, évidemment, là, l'arme, elle est au niveau 0. Donc, plus tu vas plus les dégâts aussi vont augmenter. Donc voilà, les fusils d'assaut sont toujours à 100% de précision. Au niveau hein, des fusils d'assaut, ça, il y a ça, 269, 799, 949, 1499 et 4099. What the fuck? Hein, what the fuck, j'ai envie de dire. Laisse tomber quoi. Au niveau des mitraillettes, voilà, moi j'ai utilisé celle-là que je trouve vraiment pas mal. Je la trouve vraiment pas mal. Et puis j'ai acheté celle-là qui était moyenne. Et celle-là. Et j'ai vraiment été dégoûté, quoi. J'arrivais pas, laisse tomber. Franchement, j'arrivais pas. Donc je tombais sur des gens qui avaient des mitrailleuses. Et franchement, je trouve que la mitrailleuse est beaucoup mieux, quoi. Donc oh, sinon, celle-là, elle fait 1129. Celle-là, 1999. Et celle-là, 3999. What the fuck. Laisse tomber. Mais voilà, quoi. C'est pas mal. Et aussi, non, donc au niveau des mitrailleuses, la bire, l'assaut, il manque plus qu'un seul niveau, hein, je suis à 34 sur 35. 34 sur 35, j'avais pas envie de la maxer, quoi, parce que je voulais acheter celle-là. Et voilà, comme tu vois là, 17 000 pour passer niveau 40, quoi. C'est déconné. Voilà, alors celle-ci, 2409, et celle-là, je la débloque quand je serai level max, enfin, niveau 35. Ok, pour les spéciales, moi je conseille franchement des snipes, les snipeuses. Ça, c'est clair, ça fait mal, ça fait plaisir. Et bah, celui-ci, je le max, je vais le maxer. Et je vais pouvoir bientôt voir quel prix celui-là a. Mais à mon avis, ça va être dans les 2 ou 3 000 gold encore. Ouais, donc ça va pas être pour tout de suite, quoi. Mais celui-là, je vais me l'acheter, c'est sûr et certain. 69 de dégâts, c'est déconné quoi. Ici j'en suis à 398, tu vois, abusé, abusé, abusé. Donc voilà. Sinon, ceux qui veulent savoir, les fusils, le prix 429, 1599 et 2589. Tu vois, lui il a 219 de dégâts et lui 599. Donc il n'y a pas photo, tu choisis de snipe, c'est obligé quoi. Alors au niveau des grenades. Voilà quoi, je trouvais que c'était pas mal les grenades, mais tout ce qui est dans les airs, donc les hélicos, bah, tu sais pas les toucher visiblement avec les grenades. Quoique, il me semble, j'en ai déjà vu avec ceci, et ils arrivaient à tuer, à toucher des hélicos, quoi, je sais pas comment, il me semble en tout cas. Donc grenades, voilà, pour les prix 199, 239 000. 99 gold et 2999 gold. Laisse tomber, voilà. Donc moi je préfère travailler avec le lance-roquette. Tu sais tout, avec ça tu sais toucher l'aérien et le terrestre, donc c'est beaucoup plus simple je trouve. Donc voilà. Celui-là je l'avais pas acheté parce que celui-là faisait beaucoup plus de dégâts. Et c'est en fait avec cette arme-là que j'ai compris au niveau des dégâts quoi. Au niveau des dégâts et au niveau tu vois puissance de l'arme 2200, bah, ça veut rien dire en fait 2200 quoi. Ça veut rien dire quoi. 3300 ici, je pense que ça veut rien dire. Mais par contre, tu vois, mon dégât ici, je suis à 835. L'autre au max, je suis à
pas deux. Enfin, c'est juste du n'importe quoi. Donc voilà. Donc celui-là il fait 180 mails. Celui-là je sais plus combien. Je sais plus si c'est du gold ou des billets. Celui-là 2500. 2479 gold. Le Fat Boy. Et le celui-là, à mon avis, il doit bien faire mal aussi, quoi. Là, t'as 1116 de dégâts. Celui-là, il doit faire plaisir. Celui-là, je l'achèterai aussi, celui-là. C'est clair. Et sinon, donc, au niveau des pistolets d'appoint, bah voilà, moi, je suis toujours avec le principal, avec le but, quoi. Parce que, à part pour ouvrir des caisses qui tombent sur le champ de bataille, je m'en sers pas énormément. Mais c'est vrai que ça peut servir. Ça peut servir quand l'adversaire te fout une carte où tu dois utiliser ton pistolet d'appoint pendant 5 secondes ou 10 secondes, je sais plus. Ben, c'est vrai que ça peut faire plaisir de l'avoir quand même avec une bonne capacité, quoi. Donc celui-là, à la limite, je vais peut-être me l'acheter, quoi. 35. Et là, je suis à 18. Voilà. Ok, donc 203 000, ben, ça va. Il y a moyen. Celui-là 699 et celui-là je saurai bientôt combien il coûte niveau 33. Donc ça c'est pour les armes. Donc voilà, mais au niveau des trucs sinon les warcards écoute voilà. Création puis, franchement pendant les combats moi j'utilise pas énormément de warcards. C'est juste je les utilise pour les objectifs quoi hein. Pour les objectifs journaliers et sinon voilà le soldat quoi ce que j'ai débloqué les casques et les voilà donc, je m'en bats les couilles on s'en fout donc le mode solo je vais vous montrer vite fait où j'en suis. J'ai tout fait en solo hein. J'ai tout fait en solo donc j'ai essayé de maxer évidemment première et deuxième c'est all finished. Ah non, il reste le 29. Ok, j'avais pas vu. Sinon, voilà, j'essaye d'avoir les 3 étoiles quoi. Et ici je suis au niveau 41 et laisse tomber, il y a des troupes qui viennent de partout et avec mes armes j'y arrive pas quoi. Franchement j'y arrive pas, il faut avec un collègue de la team. Donc voilà, je vais vite faire une voilà la ligue de joueurs donc qui se termine tous les mercredis et la guerre de section c'est tous les samedis, enfin tous les dimanches matin 0-0 et ici on va faire un petit gameplay. C'est parti, je vais vous montrer j'espère que je vais tomber sur un type qui a toutes les armes en or, hein, comme ça je vais vous montrer que ça sert à rien d'avoir toutes les armes en or si tu sais pas lui déjà c'est un payeur tu vois, il a déjà le voilà donc là il a le lance-flamme, le Humvee blindé, ok, en jaune là c'est les capacités. Hop, je prends le snipe. Ah, raté. Hop. Bon, voilà le fonceur là. Boum. Critique, t'as vu ça ou quoi, quoi. Hop. Hop, je recharge. Le rag de la mitrailleuse, moi je lui explose, je lui entame bien son truc. Bam, voilà, tu vois. Comme ça il prend du dégât quand mon buggy envoie les trucs. Les roquettes. Allez, je me suis fait toucher, je l'ai raté.
Voilà, il est direct dehors. Putain, il m'a niqué ma tête, ça fait rien. Putain, il a bougé, je l'avais même pas vu. Et bon, voilà, tu vois, il envoie des cartes et j'ai encore plus de vie que lui. Donc, c'est pour ça que moi je donne mes cartes ici parce que ça sert à rien, tu vois. Deux coups de snipe, je lui ai niqué son super grenadier, donc ça ne sert à rien du tout. Ouais, vas-y. Voilà, c'est abusé. Soit il sait pas jouer, je comprends pas. Mais voilà, ça sert à rien d'avoir les toutes nouvelles troupes. D'ailleurs, le lance-flamme, on l'a même pas vu, il a même pas su le sortir. Ouais. Il n'a pas fait assez de bazar. Donc voilà, sinon bah, quand vous n'êtes pas VIP, ce qu'il faut faire c'est des séries de victoires, hein, évidemment, pour gagner le max de pognon. Et sinon, tu vois, au niveau de l'ennemi, attends, je vais essayer de... Voilà. Ouais, il est mort. Donc, lance-flamme niveau 51, tu vois. Humvee, ah ouais, on l'a même pas vu, je pense. Hein. On l'a même pas vu. Il a sorti 3 cartes quand même. Hein. J'en ai sorti aucune. Et pourtant, easy quoi, tu vois. Easy. Quoi, je peux piocher une carte. Bon, Chivaz, hein, il n'y a qu'une carte là. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, moi? Donc, piège électrique, ouais. Ça, je prends. Ça, je prends. Je vais vite vous montrer la section, quoi. Donc, voilà. Voilà, info. Je vais peut-être demander à Q-Tip de faire la mission solo avec moi. C'est le seul gaillard dans la team maintenant qui est plus ou moins à mon niveau. Sinon tous les autres évidemment ils étaient plus récents, hein. Ça fait 3 mois que je joue moi, donc évidemment. Alors toujours à Vaabol, ok. Donc voilà, je pense que ça sera à peu près tout quoi. Donc on va se quitter là. Et laissez vos impressions, hein. Ok, allez ciao les gars, bisous.